Bonjour les amis, la version de Filmora Pro pour Mac, pour le M1 Mac Mini n'est pas encore optimisée. Donc je ne l'ai pas encore acheté et c'est pourquoi vous voyez le bandeau publicitaire. Mais le test d'aujourd'hui, c'est le son, c'est la synchronisation du son entre un petit appareil, un recorder extérieur et une caméra sans micro extérieur de manière à voir le résultat. Alors, allons-y les amis. Je viens d'allumer un petit Sony, un recorder extérieur. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà faire un clap. Voilà, maintenant, cet appareil, je vais le glisser dans une petite pochette que j'ai mis autour de mon cou. J'ai pas fait de bêtises là. Non, ça enregistre toujours. J'avais appuyé un peu sur un bouton. Alors je le mets là-dedans. Voilà, ça y est, donc comme ça, il est complètement protégé. Alors maintenant, je vais refaire un clap. Alors, le but de ce test, c'est quoi? Là, j'ai la caméra, j'ai pas de micro extérieur que j'aurais pu brancher directement sur la caméra, et j'ai ce recorder sur moi. Le test consiste à aller sur Filmora Pro et y passer les deux fichiers, le fichier audio que j'ai ici, plus le fichier vidéo et audio que j'ai là. Manifestement, le fichier audio de la caméra devrait être moins bon puisque j'ai pas mis une caméra externe, je n'ai pas de dead cat pour le vent, donc il ne devrait pas y avoir photo entre ceci qui est protégé et ceci qui ne l'est pas. Alors, Filmora a une fonction qui me permet de mettre les deux sur Filmora Pro, il va synchroniser, créer une nouvelle fiche son, un nouveau dossier son que je vais utiliser à la place du dossier original et qui sera déjà automatiquement parfaitement synchronisé sans avoir eu besoin des claques, les amis. Merci, on va essayer ça tout de suite.